Ok, salut amis explorateurs. Salut. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et on se retrouve dans la voiture parce que dehors il pleut et ça c'est plutôt agaçant. On est aux Andelys, qui est une petite ville dans le département de l'Eure, en Normandie, d'où la pluie. Et la particularité de ce vlog, c'était que je voulais shooter en argentique avec ce petit boîtier qui est un Minolta XG9. Voilà, c'était pour se diversifier un peu et pour laisser de côté mon Sony, juste pour voilà, reprendre un peu les bases de la photo, s'attarder plus sur la composition, réfléchir à ce qu'on veut prendre en photo plutôt que de shooter en rafale à tout va. Donc je vais essayer de faire quelques photos quand même avec. Au pire, j'aurai toujours le petit Canon qui me filme actuellement pour faire des photos un peu sur le vif. La pellicule qu'il a à l'intérieur, c'est une Kodak Portra 400. Donc généralement, elle est assez polyvalente, donc je pense que le rendu sera quand même correct. Mais voilà, à voir en tout cas ce que ça va donner. Donc du coup, on y va? Ouais. Allez, bah, c'est parti. Et on aperçoit au loin le château Gaillard, qui est donc un château construit au 12e siècle. Le but du vlog aujourd'hui, c'était de partir explorer donc ce méandre de la Seine. On est toujours sur les coteaux de la Seine et de faire des photos à l'argentique. Alors avec ce temps, le but, c'était de partir, de longer la Seine et de remonter le long des falaises là-bas pour avoir une vue sur le château. Et en reprenant la voiture, on va redescendre le long de la Seine et en fonction de la météo et notre motivation, se lancer dans la randonnée. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que les photos vous plairont. Du coup, on a commencé la rando. Enfin, la rando, hein. On va relativiser, hein, juste la promenade. Mais on a quand même des beaux points de vue. Hein. J'essaie de rattraper Anaïs. Et essayer de trouver des spots dégagés pour prendre quelques photos. Mais je vous garantis rien, je vous garantis pas de prendre des photos avec l'argentique. Je tiens beaucoup à cet appareil. C'est pour pas le déglinguer à cause de la pluie. Salut les amis, bon je vous retrouve quelques jours, même quelques semaines après le tournage de ce vlog. J'avais envie de revenir sur deux petites choses. La première, c'était concernant les photos à l'argentique. Alors comme vous l'avez compris, avec le temps, un peu compliqué pour moi de sortir l'appareil, de prendre des photos, parce que bon, avec l'argentique, il faut faire la mise au point manuellement, donc ça prend le temps. À ce moment-là, il y a des gouttes qui viennent sur l'objectif et votre photo à la fin elle est ratée. Et au prix où coûte la pellicule, chaque photo mérite d'être vraiment bien cadré, bien pensé et surtout bien net. Voilà, donc ça c'était pour le premier point. Et le second point, c'était un peu plus, comment dire, c'était par rapport en fait aux sorties photo même et à l'idée d'exploration. Les deux derniers vols que j'ai fait, là c'est vrai que les conditions météo étaient vraiment pas bonnes, mais en fait dans les deux cas, j'ai vraiment apprécié sortir et même si le temps était pourrave, hein, mais j'ai apprécié sortir, j'ai pris du plaisir à découvrir un lieu. Voilà, c'était dans l'idée de dire que de toute façon, même si c'est, voilà, si le temps est un peu capricieux, au moins vous sortez
Et vous pouvez être dans des conditions de lumière quelquefois super intéressantes, même si, mais voilà, même si le temps est un peu couvert. Il peut se dégager une ambiance sur les photos, voilà, qui est plus intéressante que si il fait grand ciel bleu et que vous sortez à 14h. Finalement, quoi qu'il en soit, si on a prévu de sortir pour faire des photos, il faut y aller. Il faut y aller, il faut pas, voilà, il faut pas se dire, bon bah, oh, il pleut, vas-y, je vais rester chez moi au chaud. On sait jamais ce qui peut se passer, ça peut être une averse, ça peut s'arrêter. À ce moment-là, il peut y avoir, je sais pas, les nuages pareils qui se dispersent, un grand rayon de soleil et une ambiance qui est juste magique. Et ce serait dommage de louper ça. Donc voilà, c'était pour conclure cette vidéo, désolé si c'était un peu long. Ça va être le mot d'ordre du jour, c'est quoi qu'il en soit, lorsque vous prévoyez de sortir faire des photos, allez-y jusqu'au bout et puis vous verrez bien ce qui se passe. S'il pleut, bon bah voilà, vous rangez le matériel et puis vous dites, bah je reviens la prochaine fois, mais osez y aller quoi. Et pour terminer, un grand merci puisque nous avons franchi la barre des 1000 abonnés sur Instagram. Il y a des petites vidéos qui vont arriver là fin mars et ça devrait vraiment être sympa. Et puis là avec les beaux jours qui reviennent, ce sera l'occasion de sortir plus souvent faire des vlogs en pleine nature avec voilà, avec le début du printemps. Bon mes amis, je vous souhaite une excellente journée et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!